Yeah, c'est de la musique dont vous êtes les héros. Calimero, demandez-y mon numéro. Je pense que la rigolade, c'est un bon thème. Faut être franc, en tout premier lieu, on tente de se divertir soi-même. T'sais, il faut pour survivre à la réalité, il faut combattre l'ennui, là, surtout à l'ère moderne. Ceux qui connaissent notre univers bien ont catché le théâtre dans toute la rigolade, comme les gars disaient. Mais justement, dans ce morceau-là, tu sais, l'idée de mettre l'avant le talent de comédien de Ogden, tu sais, c'est phénoménal, l'interprétation de cette pièce-là. Oui, on stack notre cop. Oui, même pour le plug, c'est qu'il faut un plug. Stack notre cob, qu'est-ce que ça veut dire? Au sens très terre-à-terre, oui, ça veut dire économiser du butin, de l'argent, de la richesse. Le mot cob, c'est argent en créole. Par extension, on peut l'étendre à plus que l'argent aussi. On stack des pensées, des souvenirs. Ça va sur le champ, je te jure que blanc, c'est pas le style, le gars. Je m'en fais le pis, on fait les peurs, les bons. Le croustibat. Dans les faits, là, si on veut décrire là, très objectivement ce que c'est des bâtonnets de poisson. C'est un produit pour lequel on s'était pris d'affection lors de nos tournées en Europe. Et puis, comme il y avait aussi la phrase que celui qui n'a jamais pêché, trois petits points. Dans l'ambiance de la chanson et tout ça. Donc, il y a un sens dont vous êtes le héros dans la chanson. C'est fidèle à nous-mêmes. Il y a du monde autour de nous qui ont même dit que ça ressemblait à quasiment un ramassis de tous les styles qu'on a explorés durant les 14 dernières années. Puis là, ça aurait été comme un beau travail là, qu'on aurait bien remis tout ce qu'il fallait mettre à sa place. Donc, c'est un beau compliment. Ouais. J'espère que ça va être ce que nos fans vont avoir comme impression.